Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctetou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2. Oui, ça faisait un petit moment que j'avais pas refait de vidéo, étant donné qu'il faut que je retrouve la motivation, etc. Enfin bref, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, n'hésite pas à défoncer cette barre de like. Pour ce gros gameplay, aujourd'hui, on va se retrouver pour un énorme gameplay qui n'a pas été réalisé par moi, mais qui a été réalisé par le seul et l'unique, le Globox, pour ceux qui le connaissent, Globule, ancien pump stomper de la Now You Rage, pour ceux qui s'en souviennent, la grande époque de la performance et tout. Et il a réalisé la nucléaire au sniper sur Call of Duty World War 2 sans mourir. Il faut quand même le dire, il va faire un 25-0. En MME sur London Dock, si je dis pas de bêtises, au sniper. Il va faire, je crois, un ou deux kills au gun. Si j'ai déjà vu le gameplay, il va le faire une fois parce qu'il va faire un hit marker. Je pense que vous pouvez l'excuser. Je pense que les personnes qui jouent au snipe, etc., dès que vous mettez un hit marker, bah, ça peut être chiant. Bah, lui, il a directement switché sur son gun pour buter la personne. Il jouait également en non-lethal. En non-létal, excusez-moi. Et donc, je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne, etc. Il veut reprendre YouTube sérieusement et c'est vraiment un très 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 bon player. Et c'est quelqu'un qui sait très bien jouer sur Call of Duty. Il a de l'expérience sur Call of Duty Black Ops 2, pour ceux qui s'en souviennent. C'est nucléaire ultra express sur BO2. Voilà, c'est vraiment un monstre, le petit globule. Bon, j'ai arrêté un peu de lui sucer la bite en pleine vidéo, non, parce qu'après il va commencer à prendre la grosse tête. Enfin bref, non, plus sérieusement, franchement, n'hésitez pas de vous abonner à sa chaîne. Et je vais vous mettre le lien en description de sa dernière vidéo et je vous invite vraiment à mettre hashtag tryhardarmy. Je pense que cela le fera extrêmement plaisir et en plus je verrai tous les commentaires, donc n'hésitez pas à défoncer sa vidéo de commentaires hashtag tryhardarmy. Et je pense que ça lui fera extrêmement plaisir. Et si en plus on peut lui faire gagner genre 500, 600, 700 abos, let's go. N'hésitez pas de vous abonner à Globox. Cela fera extrêmement plaisir. Et pourquoi je dis qu'il réalise l'impossible? Alors déjà parce que il met la requête V2 en MME. Donc ça c'est normal, on va dire. Déjà, il fait un flawless. Bon, déjà, les parties flawless, faut savoir, sur Call of Duty, c'est pas tous les jours que tu le fais, d'accord? C'est pas tous les jours que tu fais des bons flawless. Déjà, première des choses. Deuxième des choses, très importante, c'est qu'il la met au sniper lorsque nous sommes au début du jeu. C'est très compliqué, les potes. Vous vous rendez vraiment pas compte que c'est extrêmement compliqué de réaliser ça sur Call of Duty dès le début du jeu, quoi. Dès le début du jeu. Bon, là, il va faire un kill au gun. Je pense que là, voilà, vous pouvez l'excuser, etc. Enfin, bref, peu importe. Et surtout, c'est début du jeu, flawless, etc. Et Sur London Dock au sniper, c'est pas la meilleure des maps pour sortir une nucléaire au sniper, hein, parce que je pense à Gustave Canon, hein, franchement, Gustave Canon, c'est la map pour les snipers, hein. Je vois déjà des potes qui ont claqué des vicieux justement au sniper. Lui, il la met sur London Dock, sachant qu'il y a beaucoup de head glitch, sachant qu'il y a beaucoup d'endroits, on va dire, avec des... justement des endroits très étroits pour les SMG ou les fusils à pompe. Et lui, il s'en bat les couilles. Lui, Globox, il a direct compris, je prends le sniper et je vais mettre la nucléaire au sniper. Et ça, ça fait grave plaisir de voir chaque fois des nucléaires avec d'autres armes, autre chose que justement une barre, une PPSH, une STG-44, etc. Enfin bref, tu m'as compris là-dessus. C'est quand même assez stylé. Et surtout, c'est que ce genre de gameplay claqué au début, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. On voit en fait le niveau des personnes directement qui a envie de jouer au sniper, etc. Alors même s'il va tryhard, oui, il va quand même tryhard, parce que une nucléaire au sniper, ça se tryhard, les potes, hein. On va pas se le cacher, on va pas arriver du jour au lendemain, je commence à rusher partout où il faut et je vais claquer ma nucléaire du premier coup. Non, il faut beaucoup d'expérience, il faut savoir tempo, il faut savoir un peu tryhard. C'est normal, c'est absolument normal. On peut pas encore vous proposer des nucléaires en mode zonkey comme il l'a fait sur Call of Duty Black Ops 3, en mode locus, 2 minutes full rush, etc. Non, ça c'est pas possible, et en plus c'est un Call of Duty terre à terre. Enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Défoncez moi cette barre de like, défoncez la si on pourra atteindre plus de 1000 likes, franchement ça serait grave stylé. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne de Globox qui sera en description et qui sera également en commentaire épinglé. Je pense que ça lui fera également plaisir. Et surtout, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que toi tu en as pensé de ce gameplay là. On revient en force, même si j'avais une petite baisse de motivation sur Call of Duty World War 2, et on va tout faire pour monter jusqu'aux 100 000 abonnés. Donc n'hésite pas de t'abonner si c'est pas le cas. Et puis moi, je vous laisse avec la petite fin de vidéo et le score. Ciao ciao tout le monde.